Marguerite avait trente ans quand elle se vit en grand péril, trente-trois ans quand elle connut la lumière dans le silence de la chambre nuptiale. Mais il lui fallut sept bonnes années pour affermir son âme dans la simplicité et l'anéantissement. Certaines béguines de la plaine des Flandres et de la vallée du Rhin Quittait les murs des béguinages pour partir librement, seule, en chemin, au bon vouloir du libre-esprit. Marguerite fut prise du désir de leur emboîter le pas et de devenir l'une d'entre elles. Partir à l'aventure en laissant derrière soi la chrysalide de son nom et de ses habits de béguine. Oublier les malades, les mourants et les morts, comme les livres saints. Se consacrer aux ocelles de ses ailes, dont les écailles miroitantes lui donnaient de voir. Prendre son envol pour connaître le vol nuptial. La nuit de la Saint-Jean, où s'allument les feux dans les campagnes pour célébrer la lumière de l'été, Marguerite quitta donc sa maison, sa chambre haute et son coffre de bois. Et sortit sans rien dire de l'enceinte de la ville. Laissant là la clé qu'elle gardait à sa ceinture, elle n'emporta avec elle qu'un bâton en aulne et un vieux baluchon. Retrouvant son esprit d'enfance de fille de la Ronelle, elle était mue par le désir de remonter en amont vers la source et de se jeter en aval dans la mer arpenté de ses pieds tous les chemins de la plaine des Flandres, des forêts des Ardennes et de la mer du Nord. Pendant douze mois, comptant les pleines lunes sur les doigts de ses mains, Marguerite marcha au hasard des routes et des rencontres. Chaque soir, elle tournait son regard vers l'ouest, là où le soleil se couche à l'horizon et où la terre, dit-on, rencontre la mer. L'ouest était le but de son errance et de ses pérégrinations. Elle désirait y atteindre un jour la mer et en connaître le rivage, mais ses pas ne semblaient pas l'y conduire chaque jour. Revenant en arrière au détour des chemins, ils enroulaient Marguerite sur elle-même, comme une coquille d'escargot, tournant autour de leur centre, la faisant reculer à mesure qu'elle avançait. Cette lente progression devint pour elle comme un chemin de paix. À chaque fois qu'elle reculait, elle sentait que son bâton en aulne était une main divine qui la conduisait puissamment. Elle, qui avait reçu la grâce de la concorde, elle pouvait s'appuyer de toute sa chair, son cœur et son esprit sur sa miséricorde une miséricorde qui l'apaisait au milieu des tribulations, l'éloignant de la boue dans laquelle elle s'embourbait parfois. En enroulant ses pas sur eux-mêmes, elle s'éloignait d'elle-même pour ouvrir le champ au possible et frayer un chemin vers l'ailleurs. En progressant ainsi, elle se savait pleinement acquittée et affranchie, libérée de toute faute et de toute servitude. Son bâton d'aulne la lavait de la poussière du chemin et la sauvait de tout. Elle purifiait sa robe dans le sang de l'agneau. L'été laissa ainsi place à la lumière d'automne et au froid de l'hiver. Marguerite traversait les hameaux, s'arrêtait dans les villages, entrait dans les bourgs et les villes, prêtant main forte aux hommes, aux femmes et aux enfants qui travaillaient aux champs, coupant du bois dans les forêts, menait paître les troupeaux, cheminant le plus souvent à pied et parfois en charrette, dormant dehors sur un lit de fougères, dans les étables et dans les granges, sous les porches des églises. Pour tous ceux qu'elle rencontrait et qui parfois lui offraient l'hospitalité, Marguerite était une de ces pèlerines et vagabondes sans nom, sans statut, sans famille. Un être passager, une femme de passage qui se risquait seule à affronter les dangers du chemin. Une femme que même la peur avait abandonnée et qui n'avait plus pour compagne que la solitude le soleil et la pluie. Nul ne savait d'où elle venait, ni qui elle était. Un jour blanc de neige hivernale, Marguerite se mit à lire à cœur ouvert dans le livre de la vie laissant la main de Dieu écrire des lettres de louange dans le livre de son âme. Marchant depuis la Saint-Jean, elle était de fait tout abîmée dans le silence, un grand, profond et fin silence, qui enveloppait dans sa nuée sa chair, son cœur et son esprit, aiguisant ses sens et tournant toute son attention vers la seule campagne autour d'elle. Traversant les bois et les forêts, elle n'était plus que la lumière qui perçait les branches dénudées des hêtres pour éclairer l'ombre du sol. Longeant les rivières, elle n'était plus que la fraîcheur du clapotis de l'eau qui gelait les herbes hautes sur les berges. Coupant par les prairies, elle n'était plus que les empreintes de chevreuils. De renards, de blaireaux et d'écureuils dans la neige poudreuse. Tout à ce rien vouloir et à ce rien savoir, Marguerite comprit qu'elle n'était pas, qu'elle, de papillon, mais tout à la fois un essaim d'abeilles, une ruche et surtout une reine. Une reine dont le royaume était ce vivant où elle siégeait comme sur un trône de gloire. Et dans ce royaume, tout avait un sens, même ce qui semblait sans queue ni tête, même ce qui semblait absurde et incompréhensible. Toutes ces épreuves qui vous tombaient dessus au détour du chemin sans crier gare ni se faire annoncer. Oui, tout avait un sens, et tout était parole car tout était écrit dans la vie comme dans un livre. Un livre à déchiffrer en le vivant au plus intime de sa chair, de son cœur et de son esprit. À écouter et à laisser résonner en soi pour en entendre et comprendre le sens jusqu'aux confins du silence. C'est alors que la neige tombant marguerite sentit sa bouche s'ouvrir et publier une louange éternelle les ocelles de ses ailes s'effritèrent en douceur sur ses lèvres et sa langue y déposant une poussière d'écaille y semant une parole d'or une parole merveilleuse qui lui faisait voir chemin faisant monts et merveilles cette parole de louange Marguerite n'avait pas de plume sous la main pour la consigner par écrit. Alors elle volait, libre et légère, comme les flocons de neige autour de sa langue et de ses lèvres. Marguerite se faisait murmure dans le vent. Elle chantonnait tout en traversant les bois, en longeant les champs et en enjambant les ruisseaux. Plongée dans le livre de la vie, Marguerite comprit Qu'une main divine écrivait aussi en elle, que son âme était un livre à l'image du livre de la vie. Cette louange qui s'invitait en elle était un juste don de l'ailleurs et de la haute mer, comme si là, au plus profond de son cœur abîme qui n'avait pas de fond, un poisson des grandes profondeurs faisait en elle des bulles. Dieu, ce loin près, entrait en ébullition en elle. Il bouillonnait comme l'eau de sa soupe que chaque jour, sa vie durant, elle avait mise à cuire dans son chaudron sur le feu de sa cheminée. Ce bouillonnement traçait sur le vélin de son âme des lettres qui faisaient sens et orientaient son chemin. Oui, son âme était un livre à l'image du livre de la vie. Un livre écrit en silence, dans la concorde et la miséricorde. Un livre qui portait trace de ses méandres, mais aussi du courant qui traversait sa vie. Un livre écrit à main nue, par la main même de Dieu. Auréolée de cette louange, Marguerite se laissa donc attirer par tout ce qui recelait pollen et nectar. De la campagne alentour, elle faisait en silence son miel, lisant à cœur ouvert dans ce royaume qui se révélait autour d'elle, lui prêtant sa langue charnelle et vivante pour révéler le sens caché de la terre et du ciel. Parfois, elle offrait aux hommes et aux femmes, aux enfants qu'elle rencontrait, dans les hameaux et les villages, dans les champs et dans les clairières, une de ces bulles merveilleuses montées des profondeurs. C'était pour elle les saluer de la tête et leur donner sa bénédiction, honorer en vérité ce jour de leur rencontre, eux qui allaient bientôt se séparer et ne plus jamais se revoir partager la vie, s'abreuver à la source de la parole, faire maison commune. Car Marguerite comprenait que cette louange qui montait des profondeurs à ses lèvres était une vraie demeure. Un palais de rois et de reines qui permettait aux plus simples et aux plus pauvres rencontrés en chemin de transcender le froid, la nuit. La peur, la mort, pour sourire à la vie, pour rire ensemble de la vie, pour se réjouir de la vie. La louange était venue en elle pour ouvrir à tous les portes du royaume.

מסיני כא נו מותי, אבל איכני חורמיד שנאלה קרני until i